Coucou tout le monde. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un junk enveloppe. Il est vraiment petit. Il est réalisé avec des enveloppes vieillies au café. Il y en a trois. J'ai choisi de mettre des choses assez plates parce que en fait, il va servir. Hein, c'est pour mettre dans mon sac à main. Donc j'ai pas mis beaucoup d'embellissement à l'intérieur et j'ai pas mis de choses trop en relief. Donc j'ai mis un porte-étiquette avec un petit mot où il y a marqué note, avec un petit peu de dentelle et du tulle. Vous voyez, voilà, il y a un petit peu de tulle sur le côté. Là, il y a un petit napperon avec un petit carré de toile de jute. Un petit carré de lin avec un morceau de partition, une petite étiquette avec un petit peu de dentelle et un petit nœud. Et derrière, je l'ai laissé tel quel. Je n'ai pas recouvert de papier, j'ai voulu le laisser comme ça. Alors il se ferme avec un nœud, un vieux nœud avec du ruban froissé. Donc voilà. Donc à l'intérieur, il est. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sobre hein, parce que comme c'est pour écrire, j'ai pas mis d'embellissement trop épais. Donc là, il y a dans la première enveloppe, on peut glisser si vous voulez des photos, ce qu'on veut. Hein, parce que, c'est l'enveloppe. Ensuite, il y a deux signets, un ici. Après, il y a la seconde enveloppe et le deuxième signé est ici et la dernière enveloppe est ici. Donc là, c'est du papier vieilli au café. Alors, beaucoup de place pour le journaling. Hein. Je vais m'en servir pour marquer mes rendez-vous. Voilà, plein de petites choses. Donc, j'ai mis un petit tamponnage ici. Ensuite, j'ai mis un paperclip avec un petit nœud. Un petit tamponnage là. Ça c'est une feuille de cahier d'écolier vieilli au café. Là j'ai mis un petit peu de dentelle. Ici encore un petit tamponnage. Avec une perfo bordure, j'ai fait un petit peu de dentelle sur le papier. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment pour le journaling parce qu'il va me servir. Donc j'ai pas mis d'embellissement, j'ai voulu le garder tel quel, le plus voilà. C'est vraiment pour écrire, donc j'ai pas voulu l'encombrer. Donc là il y a un petit paper clip avec de la dentelle. Donc ça c'est le premier livret qui est à peu près je crois 5 feuilles. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il y a 5 feuilles. Ensuite, il y a la deuxième enveloppe, donc qui est opérationnelle. Hein. On peut glisser des photos, ou glisser des petits papiers qu'on veut garder, ou des listes, ou ce qu'on veut. Donc voilà. De ce côté de l'enveloppe, j'ai mis des petites. J'ai collé des petites pochettes dans lesquelles j'ai mis des tags. Toujours pareil, hein, des tags pour faire de journaling. Hein, donc là, je vais pouvoir écrire de chaque côté et ranger dans les petites pochettes. Donc voilà. Donc il y en a plusieurs. Hein, voilà. Jusque dans celui-là où je pourrais aussi mettre un petit peu de journaling si je veux. Ici, voilà. Ensuite, il y a le deuxième livret. Voilà, toujours avec du papier vieilli au café. Avec un petit paperclip et un petit nœud en dentelle. Là, il y a un petit tamponnage. C'est vraiment très sobre. Hein. Encore un petit paperclip avec un petit nœud. Pour accrocher des... Voilà, là, il y a un petit peu de dentelle. Ah, ça, c'est resté là. Ça ne devait pas y être. Encore un petit tamponnage. Ici. Un tamponnage oiseau ici. Et puis voilà. Et puis encore ici
la petite l'enveloppe dans laquelle on peut venir glisser, je vous dis, ce qu'on veut. Donc voilà. Alors je ne sais pas si je ferai un tuto, peut-être que je ferai un tuto, je ne sais pas trop encore, parce que là je suis sur un autre projet, donc je ne sais pas, je ferai peut-être par la suite un tuto si ça vous intéresse. Donc voilà. Au revoir tout le monde.